Myrtille et Zéphirin sont en train de manger. Dépêchons-nous, je ne veux pas rater l'émission. J'adore ces reportages sur la nature. Du coup, c'est repas pique-nique aujourd'hui. Salade sous vide. Soda et couvert en plastique. C'est l'heure, allume la télé. Pendant l'émission, les enfants découvrent le sixième continent. Un continent de plastique dans l'océan. Oh, c'est grave! Ah, c'est horrible! Ils décident alors de regarder tout ce qu'il y a chez eux comme déchets en plastique ou papier pour les trier. Moi, je prends les emballages et toi, tu prends le papier. Ok, d'accord. Oh là là, c'est lourd! Tiens, un coup, les containers ne sont pas loin. Zéphirin et Myrtille vont au village. Leur but est de faire prendre conscience aux autres villageois de la gravité de la situation et qu'il faut agir pour lutter contre le sixième continent. Ils vont d'abord voir l'épicier. Bonjour! Nous sommes là pour trouver des solutions contre le sixième continent. Qu'est-ce que vous pensez d'arrêter de donner des sacs en plastique à vos clients et de passer aux sacs en tissu? Ça serait bien aussi de leur proposer des aliments de saison et en vrac. Je suis prêt à m'engager. Ils se rendent ensuite au magasin de vêtements. Bonjour, nous sommes là pour trouver des solutions contre le sixième continent. Pouvez-vous récupérer les vêtements usés ou non utilisés pour les réparer et les proposer à vos clients? Et pourriez-vous essayer de fabriquer des vêtements et des chaussures sans plastique? Oh oui, des Nike en bois par exemple. Enfin, ils finissent par la boulangerie. Bonjour, nous sommes là pour trouver des solutions contre le sixième continent. Je réfléchis. Pourriez-vous utiliser des sachets en tissu au lieu du papier? Je suis prête à m'engager. Youpi! Youhou! Chaque villageois met la main à la pâte et tout le monde s'active. La vendeuse trie les vêtements de la saison dernière. Un petit tour de clé et le voilà réparé. Oh, je suis trop grande pour ces jouets. Pour mon château, pour ma poupée et mon petit poney. Une villageoise prit ses chaussures, devenues très petites. À l'épicerie, les aliments sont désormais proposés en vrac pour limiter les déchets. Oula, ce trou est vraiment gros. Où il a pu le faire? Ah bah dans un arbre! Fini les biscuits industriels, maintenant on fait maison. On se met à trier même les bouchons qui sont utiles à des associations. Oh, que ces légumes sont appétissants. J'en ferais bien une salade. Rien de tel que de bons œufs frais des poules du jardin. Tous les villageois se rejoignent pour échanger autour d'un vide-grenier. Zéphirin et Myrtille préparent les banderoles. Oui, ça va bien voir du centre du village. Les deux enfants partent
accrocher la banderole au cœur du village. Oh, vous avez des beaux légumes. Tous se réunissent pour signer la charte des 4 R. Réduire, réutiliser, réparer et recycler. Youpi pour ces bonnes résolutions. Thank you.